est dans la forêt pratiquement là. Les fleurs sont au bord de la route, c'est plus pratique pour la récolte quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. À la limite, mais c'est bon. Ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de découpe parce que comme il faut jeter les ceux qui sont pas bons quoi. C'est trop grand ouvert là, il y a les pétales qui dépassent déjà. Il faut des petits plants dessus là. Là c'est des plants qui... Donc on ne peut pas vendre ces fleurs là. C'est gâché. Ouais. Ça c'est pas bon non plus. La parcelle qui est là, c'est comme si c'était... Il faut chaque année qu'on fait une replantation pour les autres variétés parce que c'est des variétés plus rares qui demandent plus de rendement. Il faut que ça soit, il faut que la replantation soit faite chaque année. Qui achète ces fleurs-là alors? C'est destiné au marché local et au marché extérieur parce que le marché local, c'est les touristes qui les achètent et qui les achètent au mains des boutiques et qui les emmènent là-bas quoi. Ça prend combien de temps une fleur? Les fleurs en trois cycles. Pendant cette période-là, ça prend une semaine. Au mois de décembre, c'est plus long. Faire la plantation, on prend des plantes. Donc ça aille plus vite, quoi. Pour ça, il faut nettoyer tout ça aussi. C'est une variété de lavande, mais en feuillage. C'est-à-dire qu'on utilise plus les feuilles pour les mettre dans les compositions. Il y a plein de variétés de lavande ici. La lavande, on peut l'utiliser pour faire le bain aussi. Pour se baigner, tout ça. La fleur ou la feuille? La fleur. On l'appelle l'Edgonia tropicale. Ça, c'est l'alame Carl, parce qu'il a été construit par M. Alan et Carl. Mais du coup, celui-là, il s'est bien adapté dans le sol. Là. Et la différence, il y a des fleurs en plus. J'ai balisé ça a fleuri à partir du mois de février jusqu'à mai-juin. Il y a au moins une dizaine de variétés rouges. Celle-là, elle fleurit quand il n'y a pas d'autres. Quand les autres sont en fini. C'est une variété que je dois multiplier, quoi. Parce que pendant l'année, quand il n'y a pas, on peut travailler avec cela. C'est la fin, il ne reste pas beaucoup. Comme on dit, c'est les fleurs qui traînent un peu. On appelle bec de perroquet. Bec de perroquet, oui. C'est une variété de pendula. Nous, chez nous, dans le langage, je dis, par exemple, le pendula géant. Parce qu'il y a les petites variétés rouges, vert, jaune. Ah. Voilà. C'est une fleur de banane qu'on appelle le musa. C'était une psittacorum, c'est la variété psittacorum rouge. C'est la rose porcelaine en fait. Hein. Oui. C'est la variété rouge là. Donc il y a trois variétés différentes. Il y a le fuja aussi. Il y a le rose. On va aller voir, c'est pas loin. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Je prends une pâte de banane. C'est pour une pâte de banane. Une pâte de banane qui a été mûrie dans la plantation, quoi. Comme c'était une ancienne plantation de banane, donc à chaque fois qu'on nettoie, il y aura toujours des repousses en banane. Même si on les coupe de temps en temps. Parce que la banane, c'est une fleur aussi, ça envoie des graines, ça pousse partout. Ça augmente le bouquet, en plus, c'est toujours un plus dans le bouquet. Au Canada, on a été, il y a une dame qui nous a dit « Vous avez peint la banane, là ?» Elle a été peinte.
Go. Moi, j'ai commencé à 7 ans. C'est pas trop difficile? Non, pas trop. Il suffit d'apprendre, de regarder. Tu sais où sont toutes les fleurs? Quand ton papa te dit d'aller chercher telle fleur, tu sais? À force de le suivre, de marcher avec lui, de venir ici, quoi. On apprend, c'est ça. Taillez un peu parce que pour que ça soit plus. On n'a pas assez de 4 heures. Est-ce qu'il y a une taille réglementaire aussi? Ouais, à peu près. On fait à. On taille les fleurs à peu près à 1,20 m. Comme ça, ça peut rester un jour, deux jours chez le fleuriste. Comme ça, elle peut retailler. Ouais. Et là, combien? Je ne sais pas combien. Miaka. Comme on n'a pas de route pour le transport, on attache par 30-40 et puis on fait monter jusqu'à où arrive la voiture. Quoi. Soit sur le dos, on attache. Bonjour à tous. Bonjour. Je te laisse te présenter, nous présenter ton activité. C'est l'entreprise de monsieur et madame Naranen, donc je suis là pour faire la décoration. C'est moi qui suis à l'origine. D'accord. Je fais des fleurs tropicales. Quand on a tout ce qu'il faut chez nous, on va travailler pour pouvoir avancer. Voilà. Il y a tout un protocole pour suivre pour faire les bouquets. Un bouquet de fleurs comme celui-ci, avant, il faut couper les fleurs sur la plantation, les mettre dans de l'eau, les brosser et après les conserver dans de l'eau. Donc on les a ramenés ici. Donc après, on prend un contenant de la mousse pour pouvoir toujours garder l'eau et puis après, on pique les fleurs au gré. Mais sinon, c'est des fleurs qui tiennent longtemps. Comment on choisit les couleurs? Quand c'est. Si c'est des roses, bon, les roses, bon, les roses rouges, c'est bon, mais des fleurs tropicales, on ne peut pas faire que du rouge. On voit pas la beauté des fleurs à ce moment-là, voilà. C'est avant tout de faire connaître, de nous faire connaître, et puis d'avoir pignon sur rue. C'est montrer la production, comment d'où sortent les fleurs jusqu'à la vente. C'est une vente directe, c'est la vente du producteur au particulier. Ça, c'est uniquement du gingembre, hein? Oui, c'est uniquement du gingembre, oui. Alors, c'est sans colorant, sans conservateur. Hein, et voilà, vous avez le numéro du producteur. D'accord. Sirop de canne à sucre, Malaka. Bah, c'est des produits locaux, c'est des produits originaux. C'est des produits qu'on ne trouve pas en grande surface. Ils sont pris à la source, donc c'est sûr que c'est du 100% naturel. Donc, c'est intéressant, oui. Un sirop de noli que j'ai pris, mais je sais que c'est bon pour l'attention. C'est naturel et c'est bon pour la santé. Monsieur le maire, avec un vestiaire rouge, j'en prie pour toi.